Hey, salut les amis, c'est Armel, nouvelle vidéo sur Monster Hunter World. Dans celle-là, on va parler de la préparation hein, quand on va affronter un monstre, etc. En fonction de ce qu'on va affronter, justement, c'est ce qui va permettre de rendre un combat extrêmement compliqué ou très dur, d'une manière de le rendre beaucoup plus facile à le faire, hein, tout simplement, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger la préparation de son matos, de ses talents, avant d'affronter un monstre, surtout les monstres alpha suprêmes. C'est ça qui rend du coup certains combats très faciles à faire, alors que sans les bons talents et sans la bonne préparation, vous allez vous faire one shot, vous allez rejoindre un mec qui fait un Théostral alpha suprême, c'est un exemple. Hein. Vous n'êtes pas immunisé au fléau explosion, vous n'avez pas une super essence au feu, vous allez vous prendre le fléau explosion, un petit coup de flamme, et vous allez être one shot direct, et puis là, la quête, vos taux de succès, bien sûr, va être très très diminué. Donc, c'est un petit peu pourquoi je me prépare tout le temps, en fonction de ce que je vais affronter, justement. Par exemple, vous pouvez voir que j'ai plusieurs mix ou sets d'actuants de disponibles. Donc là, par exemple, là, ici, c'est ça pour le Théostra. Donc là, par exemple, pour le Théostra, j'y vais avec la gueule lance, qui a... Et la gueule lance, je peux me protéger de la plupart de ses attaques, je prends aucun risque, et on peut voir les talents que j'ai anti-explosion, c'est-à-dire que là, le fléau explosion, les petites poussières qui peuvent passer autour de moi, normalement, même en étant protégé avec mon bouclier, je peux être affecté, et au bout d'un certain temps, je vais exploser. Et avec la gueule lance, vous savez qu'on ne peut pas faire des roulades comme on veut, donc sinon je suis obligé de ranger mon arme, de faire des roulades, etc., et ce serait quand même compliqué. L'acier trempé me permettra par exemple d'avoir mon tranchant blanc illimité pendant un certain temps, donc là je peux balancer tout ce que je veux, etc., ça m'évitera de ricocher sur mon tranchant bleu, parce que vous savez qu'avec la gueule lance, quand votre tranchant ricoche sur la cible, vous prenez un risque immense, hein, par exemple. Donc le Valazak, maintenant vous pouvez voir que j'ai du coup la purification de niveau 3, forcément, hein, le Valazak lui met statut mort-vivant. Statut mort-vivant, c'est-à-dire que votre vie, bon, peut passer de 200 à 50 points de vie, un truc comme ça, et du coup vous allez vous prendre un coup, vous allez être one-shot. Donc affronter le Valazak sans la purification, c'est extrêmement méga dangereux. Donc là du coup vous passez d'un combat où il y a un souci, qui a un effet néfaste qui s'applique sur vous, et que là il n'existe plus. Donc la difficulté est quand même extrêmement amoindrie. Pour la Lunastra, alors la Lunastra ne fait pas de fléau explosion, mais elle fait des dégâts de feu extrêmement méga intenses. Hein. Donc là avoir 200 points de vie, c'est pas de trop. Et avoir le talent ignifugé puis une bonne armure qui résiste au feu, c'est extrêmement important. Regardez bien, si je mets ça, je vous montre, hein, j'ai une résistance au feu de 35. Maintenant, je vais manger de la nourriture de type G pour vous montrer. Et là, pour vous montrer la différence, là j'ai 50 de résistance au feu et 501 de défense physique. Donc il y a une petite potion de pierre plus une potion du démon, là on est vraiment très très bien. 50 de résistance au feu, c'est énormissime. Les dégâts sont extrêmement méga réduits. C'est-à-dire que là, je peux l'affronter sans vraiment avoir peur. La supernova ne peut pas me tuer, c'est impossible. En général, si je me la prends en entière, genre je tombe par terre, etc., que je reste bien au sol allongé, je perds 30% de ma vie maximum. Et du coup, je peux l'affronter vraiment décemment, on va dire, sans le moindre souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon, on peut prendre d'autres exemples pour plein pas mal de trucs. On peut aussi se préparer pour certains monstres avec une arme à distance, par exemple. Prenons la Bazelgeuse. La Bazelgeuse, vous savez que c'est un monstre qui est dangereux. La première fois que vous l'avez rencontré, vous savez pourquoi il était dangereux. Vous commencez à l'affronter, elle ne fait pas grand-chose, la Bazelgeuse. Vous le savez, elle vous balance un petit peu de feu et tout, mais vous vous dites, bon, ça se passe quand même plutôt pas mal. Et tout d'un coup, une écaille explose et vous êtes mort. D'un coup, vous êtes one-shot et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pourtant bien joué tout ça. Et la Bazelgeuse, la principale difficulté, c'est les écailles explosives. Car ça met non seulement le fléau explosion, que vous ne pouvez même pas voir. Du coup, vous ne savez même pas que c'est le fléau explosion, mais c'en est. Et c'est des dégâts de feu en même temps. En fait, ça fait fléau explosion plus dégâts de feu qui fait proc le fléau explosion directement sur vous. Et du coup, ta vie passe de 100 à 0 tout de suite. Si tu as une résistance au feu très importante et que tu es immunisé au fléau explosion, tu peux te prendre une écaille, tu vas perdre 10% de ta vie au lieu de 100%. C'est vraiment très très impressionnant. Je vous conseille de tester. Ça change vraiment le gameplay au corps à corps, du moins. Après, si c'est une arme à distance, la Bazelgeuse, c'est une grosse victime. Parce que, encore une fois, sa principale force, c'est les écailles explosives. Mais quand vous êtes à l'arc ou avec un fusil arbalète à distance, les écailles explosives ne vous toucheront jamais vu que vous n'allez pas rester sous les écailles qui vont exploser, en fait. Hein. Donc après, bien sûr, voilà, moi je vous conseille de toujours vous préparer en fonction de ce que vous allez affronter. Alors je sais que c'est un petit peu chiant, hein, je sais que c'est un petit peu chiant de toujours changer tous les joyaux, etc. Pour ça, je vous conseille de faire des sets, hein, de faire des sets avec des petits noms, hein, comme Théostra, Valazak, Lunastra. Quand je stream et qu'on va affronter des monstres pour les gens, en général, voilà, je change totalement de set en une seconde, hein, par exemple. Écoutez, dans cette vidéo, on va aller affronter du coup un Théostra Alpha Suprême, hein, pour un petit peu voir ce que ça va donner. Du coup, je prends ma petite gueule lance, là je suis bien, on prend ça comme objet, etc. Donc là, du coup, j'ai une résistance au feu de 26 seulement. Je n'ai pas 50, parce que là, je n'ai pas ignifugé.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout l'immunité au fléau explosion. Fléau explosion qui est notre plus grand danger. Et aussi, il faut comprendre que là, j'ai une armure qui est pas résistante au feu du tout. Vous pouvez voir que là, Valazak, voilà, hein, feu moins 4, moins 4, moins 4. Donc, malgré que j'ai une effigie de niveau 3, je n'ai pas 50 résistance au feu. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. J'ai comblé la faiblesse du Valazak avec l'inifugé justement et la nourriture de type G. Sinon j'aurais une résistance au feu vraiment pas top du tout. On a l'Aubert Baselgeuse pour le paladin niveau 2. Et après si vous n'avez pas tous les joyaux comme moi, vous pouvez improviser. Et soit faudra perdre un petit peu de survie, bon, d'un flux de vie vous enlevez etc. Vous mettez d'autres pièces de stuff ou alors vous mettez... vous perdez de l'attaque, c'est vous qui voyez, mais en général, il y a des joyaux qui sont quand même très faciles à avoir, et Inifugé, je les avais tout de suite, par exemple, pareil pour Purification, il y a des joyaux qui sont un peu plus durs à obtenir, mais après, au bout d'un certain temps, vous avez tout, tout doucement, quoi. Bon, bah écoutez, c'est parti, on va faire ça dans cette vidéo, mais vraiment, la préparation, c'est ça qui change tout, quoi. Ça m'est déjà arrivé de rejoindre des missions, des SOS, vous savez, des SOS, attendez, je choisis la quête, alors, où est-ce que tu es? Commence à avoir pas mal de quêtes hein, maintenant quand même. Hein. Alors, le dédain du soleil, voilà. On ira tuer un Kirin aussi. Je vais vous faire une vidéo de chaque monstre alpha suprême. On va les raffronter une nouvelle fois. Ça va faire vachement plaisir. Ça va changer un petit peu. On prend un petit coupon, ça fait plaisir aussi. Donc, j'ai déjà rejoint des quêtes, vous savez. Tu rejoins une quête, etc. Tu peux regarder la liste des joueurs. Hein. Tu regardes la liste des joueurs des gars. Tu vois un gars, moins 25 résistance au feu. Lunastra. Bon, là, moins 25 résistance au feu, Lunastra. Je me suis dit, j'y suis allé en mode... Je suis pas là pour gagner, c'est-à-dire c'est pas très grave si je gagne pas, genre j'ai plus besoin de matos, hein, j'y vais juste pour rigoler quoi. Pour m'amuser, bon, je vais quand même essayer de gagner quand même, mais je veux dire si je perds, c'est pas la mort quoi. Donc du coup je me dis, oula, lui, c'est un des premiers qui va mourir, je sens qu'il va être incinéré. Et la supernova commence à arriver, donc moi je me fais quand même toucher, je tombe au sol comme une larve, et je reste allongé sur le sol, hein, technique ultime à faire, hein, ne vous relevez jamais, surtout quand vous êtes touché, hein. Ça c'est l'erreur à ne pas faire. Mais lui il a même pas eu le temps lui, il s'est fait toucher, il est mort direct. Parce que moins 25 résistance au feu plus la lune astrale face suprême, les dégâts de feu, alors là t'es totalement incinéré tout de suite quoi. Alors que moi là j'ai 26, là j'ai fait affronter le Théostra, mais moi j'ai 50 de résistance au feu, et malgré tout c'est quand même ultra chaud. Alors le mec à moins 25, là c'est pas 50, hein, c'est moins 25, le gars je peux vous dire c'est ultra chaud quoi. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se préparer à tout quoi, il faut vraiment se préparer un petit peu à tout. Pas hésiter aussi à changer d'arme, hein. C'est l'avantage de Monster Hunter, c'est que personne ne vous oblige à jouer toujours la même arme en permanence. Vous pouvez changer d'arme. Bon, prenez le Kirin Alpha Suprême. Le Kirin Alpha Suprême, il fait des dégâts monstrueux, il est chiant, etc. Au katana, bon, c'est pas évident, hein. J'ai déjà réussi à le tuer au katana, mais c'est quand même pas évident. On s'amuse quand même pas très bien, parce que c'est quand même une bestiole, quand en une seconde t'es tué, t'es paralysé, etc. T'y vas que la Gunlance, c'est une victime le Kirin à la Gunlance, c'est n'importe quoi, il ne fait rien quoi. Il te rentre dedans, tu t'en fous, balance des éclairs partout, tu t'en fous aussi, et tu lui mets la lance dans les fesses, tu t'envoies toutes les explosions, c'est fini quoi. Hein. Il ne fait pas grand chose. Hein. Et ça c'est énorme, de toute façon je vous ferai une vidéo sur le Kirin, hein, le même set que j'utilise, le set pour l'affronter tranquille, donc un mix plutôt. Et là ça marche aussi à merveille quoi. Donc là du coup je vais aiguiser mon arme, et on va le burst dès le début. Dès le début on aiguise l'arme et puis on va le burst tranquillement, avec la cape temporelle. Donc c'est assez trempé, hein. C'est vrai que le tranchant du coup est entouré d'une sorte d'aura verte, et ça fait que mon tranchant est illimité pendant un certain temps. Pratique avec la gunlance, parce qu'avec la gunlance justement, on perd beaucoup de tranchants très rapidement, vous savez. Hein. On perd beaucoup de tranchants rapidement avec la gunlance, hein. Quand on va faire des tirs, etc. Donc l'objectif c'est justement d'avoir le tranchant qui dure le plus longtemps possible, au moins pendant le burst. Au moins pendant le burst du début. Hein. Parce que la carte temporelle me sert vraiment à ça. Hein. Elle me sert pas pour la survie, parce que la survie, je risque pas grand chose. C'est surtout pour le burst, vraiment, de le défoncer. Quoi. Au début, puis même plus tard dans la quête. Hein. Là, vous avez vu là, le nombre de fois que j'esquive gratuitement. Hein. C'est quand même pas rien. Quoi. Ok, donc là mon tranchant maintenant va commencer à rediminuer encore une fois. Hein. Mais vraiment, c'est là où vous voyez que la préparation, ça change totalement un gameplay. Quoi. Parce que Monster Hunter, ça a toujours été la préparation le plus important. Hein. C'est vraiment le sort de jeu
où justement les gens faisaient des builds, etc. Alors comment affronter tel monstre, on sait qui fait ça, comment est-ce qu'on peut contrer la force d'un monstre, justement, etc. C'est vraiment le but du jeu en fait. Hein. Là je vais mettre la capine effugée maintenant, et là je repasse en mode attention. Alors par contre, donc là, il faut pas hésiter à se casser quand il y a des endroits vraiment un peu relous. Voilà, j'aimerais bien qu'ils viennent ici plutôt. Là, je me sens déjà mieux. Donc, l'attaque la plus puissante du Théostra, finalement, aussi, c'est le petit bond qu'il fait sur vous. Il peut vous enchaîner en une seconde. Donc là, on se protège derrière, voilà. Pas hésiter à choisir où est-ce qu'on se protège, hein. Et donc la supernova, on s'en fout. Hein. Voilà. Hein. C'est ça qui est énorme, encore une fois. Hein. Un petit souffle de feu. Ah, alors là, je pensais que je m'étais protégé la première et que ça allait pas me toucher la deuxième fois, mais bon, c'est pas très grave. Donc ma vie remonte grâce aux 7 Valazak, hein, les 3 pièces de Valazak qui sont dévastatrices. Hein. Vraiment, ça, c'est un talent fantastique. Hein. En mode tortue, donc tu peux pas vraiment mourir, quoi, à part si... tu baisses ta garde vraiment pendant pas mal de temps, on va dire. Donc là derrière, voilà. Et on tape un petit peu la tête. Hein. Là, je suis un petit peu trop confiant. Je pensais que j'avais le temps de mettre encore un petit coup de plus. Mais non, il semblerait que j'avais pas le temps. Après, c'est longtemps que j'en ai pas affronté. Là, c'est pour ça que ça va faire plaisir de réaffronter tous les monstres Alpha Suprême. Car ça fait quand même pas mal de temps. Je me protège. Ah non, ça pète pas. Ok, bon bah écoutez. Hein. Allez hop, on fait le feu de viverne. C'est vrai que c'est lui qui les fait péter, les trucs qui flottent. J'avais oublié ça. Il se met à hurler. On met un petit coup. Ah bah non, on peut en mettre un peu plus. Je recharge mon arme. Je suis bien. Je vais aiguiser mon arme à nouveau. Mais on va déjà un petit peu le suivre avant. C'est pour ça que la majorité des combats, donc à part le Xenogiva, je veux dire le Xenogiva, vu qu'on a que 30 minutes, on peut pas vraiment se préparer, il faut vraiment y aller en full attaque. En full attaque, c'est compliqué, au katana, etc. Avec une arme à distance, par contre, le combat devient extrêmement facile, donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter non plus dans la préparation à changer d'arme, clairement. Alors là, je me déplace un petit peu. Parce que là, du coup, j'étais mal positionné, je savais pas trop si ça allait fonctionner ou pas, ma défense. Là, je recule un petit peu pour avoir un petit peu de plus de visibilité. Je me bats dans un couloir, donc ça, c'est pas très conseillé en général. Évitez de vous battre dans des couloirs. Ça peut vite vous tuer. Bah, écoutez, on va le suivre. Hein. Moi, je préfère, tant mieux. Je préfère qu'il retourne ici. Hein. Ça me dérange pas du tout. Il va venir, il va venir. Ça m'étonnerait qu'il me lâche. Je vais le laisser venir à moi, j'ai tout mon temps. À moins qu'il veut vraiment rester dans cette zone là-bas. Bon, pourquoi pas, mais pas dans le couloir alors. Je déteste me battre dans un endroit où il y a les murs qui sont juste derrière moi pour la caméra. En général, ça bug beaucoup. Allez, on fait le petit souffle. Donc le souffle vous touche qu'une fois en fait. Hein. Alors, une fois que t'as paré l'attaque une fois, bah c'est bon. Et là, la difficulté quand on est en mode défense, c'est de savoir est-ce que j'ai le droit de mettre un coup en plus, ou j'en mets que deux. Là, j'en mets que deux, par exemple. J'ai bien fait. Ok, il retombe, donc là, on burst. C'est ça qui est bien avec la gun lance, c'est qu'on va faire des moments où on fait pas beaucoup de dégâts et il y a des moments où on envoie tout ce qu'on a en fait. Et puis pareil avec la carte temporelle. Hein. Donc là je me protège de nouveau parce que là du coup j'ai pas le temps de finir mon combo. Regardez, j'aurais pas eu le temps. Hein. J'aurais été touché, c'est sûr. La carte temporelle va bientôt être up, donc ça c'est énorme.
On part à gauche. Non, bah c'est bon. Je pensais que ça. Donc là, il se m'a hurlé encore. On va pas tarder à faire la supernova. Hein. Donc là, voilà. J'aurais peut-être pas dû taper là, du coup. C'était une erreur. Faut pas trop faire l'erreur, quoi, en fait. Hein. C'est surtout ça le truc. On peut se permettre une erreur de temps en temps, mais après, faut arrêter de faire des erreurs. Si on en fait 2-3 à la suite, ça peut nous tuer, quoi. Là je commence à cramer là, donc là je recule un petit peu. Ok, donc là on va soigner avec le feu de viverne. Ah bah il est pas up. Écoutez, on va soigner à l'ancienne avec le combo ultime, et là du coup, regardez, je vais être full life. Il fait tout péter, je recharge en attendant. Mon tranchant est devenu bleu, donc ça c'est pas très bon. C'est surtout pour le Kirin le danger en fait. Hein. Lui, on va taper la tête souvent, donc ça va aller. Mais en général, je préfère quand même avoir le tranchant blanc en permanence, pour pas prendre de risques inutiles. Là c'est derrière, ça va péter, on sait jamais, voilà. Là, vous avez vu, là je me bats contre un mur, là on voit pas grand chose de ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu embêtant ça. C'est bon, là je me sens un petit peu mieux. Ah, le hurlement m'a eu là, faire attention à ça quand même. Ok, il va se casser. On aiguille son arme tranquillement. Vous avez vu que ça se passe à merveille. Hein. Il y a pas de peur. C'est un monstre alpha suprême, mais il n'y a pas de peur. C'est-à-dire que là, avec le mix que j'utilise, il n'y a vraiment aucun risque. Tout le monde peut le faire. Quoi. Puis vous pouvez remplacer les talongés par les joyaux par d'autres pièces de set. C'est pas très grave. Même si vous perdez un petit peu paladin, etc., c'est pas la mort. Quoi. Ce qu'il faut avoir, c'est quand même ultra garde et le jeu anti-explosion, quoi, surtout. Là ils vont se tabasser, tant mieux. Et après vous faites ça, et du coup ils tombent au sol. Hein. Bon à savoir. Hein. Ça permet un petit peu de le calmer quoi. On va recharger. Donc là je suis bien parce que je suis en cap temporel. Ça c'est bien les petits moments où on peut vraiment y aller en mode bon, on risque rien quoi. Ça fait vraiment plaisir. Pas du coup supernova, mais on est en cap temporel, on est bien. Et du coup je lui monte dessus. Là, ça va le calmer. Il se secoue, je me tiens. Je suis bien là. Je suis bien, j'y reste. Hein, il s'énerve encore, hein, j'attends. C'est bon, je peux taper un petit peu. Et allez, tir explosif. Dès qu'il va tomber, on va lui mettre le feu de viverne. Et boum! On va recharger l'arme. On prend pas de risque. On va mettre la cape inifugée. On se protège derrière. Hop là, on est bien. Il va charger. Protection. C'est pour ça que des fois, je vous conseille des fois de faire des trucs en solo. Hein. Si vous galérez vraiment, n'hésitez pas vraiment à y aller en solo. Parce qu'en solo, la seule difficulté que vous avez, c'est vous. Et donc, du coup, ça se passera quand même mieux. Il retombe, du coup on va faire le combo. Ça fait plaisir. Cette fois-ci je vais avoir le temps de le finir. Hop là en pleine tête. Il va se barrer, je pense, il est blessé là, je pense.
Ah bah là je me suis pris l'attaque. Là c'était sûr. Je suis sous ses pattes là, j'aime pas trop. J'aimerais bien remonter, lui casser d'ici là. Ah c'est bon. Ça va exploser. Ça. Tout va exploser là. Bon ça là, si vous n'êtes pas anti-fléau explosion, là, comme vous avez pu voir, hein, toutes les petites poussières vous touchent, là, vous explosez avec. Hein. Alors là, ça m'a touché dans le dos quand même là. Ça c'est la hitbox des fois qui est pas évident. Hein. Les coups de queue, il y en aura deux. Pareil, ça m'a touché dans le dos, mais allez, le temps que je me relève, la régène est vraiment intense. Hein. Regardez ça, la régène de fou. Là, je vais être full life encore une fois. Pour ça, la transcendance, la régénération, c'est énormissime car c'est un drain de vie sur vos dégâts. Donc ça marche avec toutes les armes. Hein. Il se met à boiter là. Enfin, je pense qu'il est quand même bien blessé, je pense quand même. Je sais pas s'il boite, mais je pense qu'il est quand même bien amoché. On va aiguiser mon arme. Je vais essayer de lui mettre les deux cailloux là tout à l'heure. Là, ce sera pas mal. Donc après moi je prends mon temps, après moi j'ai déjà tout au katana donc ça va quand même plus vite au katana. Mais j'aime bien quand même le tuer en me disant bah tiens je prends aucun risque quoi. Hop ça c'est cadeau. Je lui mets tout. Maintenant je vais me mettre près de l'autre caillou. Attendez, il est là-bas. Il s'est pris les dégâts, mais il n'est pas tombé. Alors là... Ah non, j'ai cru qu'il volait, mais non. Ah bah alors, on est fatigué, hein, mon petit gars. Bon, moi, je laisse partir. Vous pouvez balancer une flash pour le faire redescendre, etc. Mais ça n'a très peu d'intérêt parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille dormir et qu'on lui mette les bombes barils, etc. Donc, je préfère quand même le faire. La prochaine vidéo, on parlera des raccourcis. Il y a beaucoup de gens qui galèrent à mettre des raccourcis pour crafter les capsules aveuglantes, les méga potions, les buffs du chat, par exemple. Regardez, hop, j'appuie ici, outil, bongo de corail. En une seconde, mon chat va... Il va me buff. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, par contre, le chat. Il s'est barré. Ah non, il est là. Hop, je siffle, hein, et puis du coup il fait un petit buff. C'est pratique, par exemple, quand on veut aiguiser son arme, on fait ça en 2 secondes. Bon, maintenant, c'est vrai que je fais plus les buffs, parce que ça me saoule un petit peu de les faire, mais en général, faut pas hésiter quand même à les faire avant un combat, quoi. Mais vu que maintenant, on les défonce quand même facilement, les monstres, c'est vrai qu'avant, j'hésitais pas à le faire, mais c'est vrai que maintenant, je le fais quand même beaucoup moins. Et un petit buff, quand même, c'est quand même des buffs sympas, donc faut pas hésiter non plus, quand même. Méga bombe baril, allez, c'est parti. Je sais pas combien de temps on a mis pour le tuer, ça sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais franchement je parle beaucoup aussi, puis je vous montre pas mal de trucs, je me la joue sécurisée, mais c'est vraiment l'adaptation vraiment au combat, la préparation. Là je suis totalement préparé, vous avez vu tous ces points forts au Théostra ont été annulés on va dire, uniquement grâce à la préparation de mon matos quoi. Et c'est ça qui est beau justement. C'est que vraiment tu passes d'un combat qui peut être un enfer, un combat plutôt sympa finalement, plutôt tranquille quoi, ça se passe plutôt pas mal.
Alors ici c'est quand même très dangereux souvent, c'est souvent dans les nids, il y a souvent des risques de... les nids de monstres où vers la fin la rigante peut vite vous tuer, etc. Faut toujours rester sur ses gardes. Moi je tire un petit peu en l'air là, l'avantage encore de ma gueule lance. Donc la capsule aveuglante, voilà. En plus l'avantage que j'ai de ne pas l'avoir aveuglé beaucoup dans le combat, c'est que je peux toujours l'aveugler vers la fin de la partie. En pleine tête. Maintenant je vais mettre la capinifugée direct, je prends pas de risque. J'attends de voir un petit peu ce qu'il fait là, vu qu'il est un peu loin là. Du coup j'en repasse en mode défense. Et il est mort. Même pas une méga potion utilisée sur un monstre alpha suprême quand même, hein, pour montrer comme ça marche bien. On va retourner à Astera, on est très bien comme ça. Les talents paladin, pour fendre le dragon ça ne sert à rien, mais c'est avec les pièces Valazak. Anti-explosion c'est obligatoire. Afflux de vie c'est un plus, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Halo de guérison c'est avec le truc Valazak. Inifugé, moi personnellement je le prends parce que les dégâts de feu font quand même de très lourds dégâts, puis mon armure est quand même pas super résistante au feu. Mise à mort de niveau 3 c'est très important, performance optimale bah, c'est avec. Ultra garde c'est obligatoire pour se protéger des attaques qu'on peut pas se protéger normalement, exemple supernova. L'acier trempé, quand j'aiguise mon arme le tranchant est illimité pendant un certain temps. Et samouraï franc-tireur qui est l'arme Lunastra Xenogiva, qui est quand même très important pour avoir mon tranchant qui dure plus longtemps avec justement quand je tire avec la gueule lance, ça consomme le tranchant très rapidement, vous savez. Donc ça se passe à merveille, on ira tous les monstres Alpha Suprême. Prochaine vidéo quand même, ce sera la vidéo sur les raccourcis. Vraiment ça c'est extrêmement important, pour vous n'avez pas le temps d'aller dans les options, voilà, vous faites crafter les trucs, etc. Ça vous n'avez pas le temps de le faire, franchement, il faut vraiment que vous puissiez... 18 minutes, hein. Vous avez 18 minutes en jouant très défensif. En plus, regardez, joyeux explosion. C'est pas mal. Je veux dire, en jouant très défensif, on arrive quand même à avoir un temps très agréable. Je rappelle que la quête, on a 50 minutes pour le faire. Hein. Donc, on a largement assez pour prendre le temps. Faut vraiment pas hésiter à prendre le temps sur Monster Hunter quand on a le temps. Hein. Il vaut mieux mettre 5 minutes de plus et réussir la mission que rush en mode Rambo et puis mourir. Et puis du coup, bah, tu gagnes pas de temps vu que t'as perdu. Donc de toute façon, quand t'as perdu, t'as rien gagné. C'est ça le problème, quoi. Mais vraiment, vous avez vu... Après, je peux prendre plein d'autres exemples hein, pour la préparation sur Monster Hunter, mais depuis les débuts des Monster Hunter, même sur PS2, ça a toujours été la préparation. Quand on joue à Monster Hunter sur la Wii, je me rappelle... Donc c'était Monster Hunter 3 Ultimate sur la Wii U, peut-être. Quand les gens venaient affronter un Xenogre Stygien avec moins 35 en dragon, je leur disais non. Vous allez être one-shot. Le mec, il venait, il se faisait one-shot. C'était moins 35 en dragon, ça ne passe pas. Nous, quand on a déjà 25 en dragon de résistance, on prenait, je trouve, le stuff d'Ober, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Je me rappelle que c'était quand même pas évident toujours d'affronter un Xenogre Stygien. Alors, quand un mec arrivait avec moins 35 au dragon, on savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est le problème. Quand vous n'êtes pas préparé, en fait, ou si vous êtes préparé, quand vous êtes préparé, vous avez le droit à pas mal d'erreurs, et du coup, ça se passe quand même pas mal. Et même sur général, du coup, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand vous n'êtes pas préparé, du coup, le one-shot existe. Et quand le one-shot existe, alors là, vous n'avez pas le droit à l'erreur du tout. C'est ce qui s'est passé avec le Xenogiva Alpha Suprême quand je l'affrontais avec le katana, avec le stuff Behemoth. Alors, ça marchait très bien, je l'ai tué en moins de 10 minutes, hein, il est mort très rapidement. Par contre, j'ai échoué 9 fois la quête, et j'ai réussi qu'une seule fois, c'est-à-dire que sur 10 quêtes, j'ai gagné qu'une seule fois. Du coup, la rentabilité du coup, de mon set, de mon mix, il est pas super. C'est-à-dire que de lourds dégâts, mais l'erreur est impossible à... Elle ne pardonne pas, je me prenais un coup, c'était la fin, quoi. Donc, moi je préfère quand même avoir de bons dégâts, quand même, et puis... Une bonne défense aussi, finalement, ça se passe quand même plutôt pas mal. Vous avez vu qu'en 14 minutes, en plus ce qui est bien, c'est qu'on a la phase de burst avec la cape temporelle. La cape temporelle, c'est ce qui permet vraiment d'y aller en mode YOLO. On envoie tout, quoi. On envoie tout, feu de viverne, on tape. Et après, on repasse en mode défense. Du coup, t'as quand même un gameplay intéressant avec la gunlance. T'as un gameplay, on va dire, défensif, extrêmement offensif avec la cape temporelle. Et quand le monstre tombe à la renverse, ton gameplay est à nouveau très offensif pendant quelques temps et tu rattrapes le DPS manquant, on va dire, que t'as pas eu, parce que du coup pendant un certain temps tu mets juste des petits coups de lance dans la tête petit à petit, mais ça marche quand même très très bien.
Donc j'espère que ça vous a plu les amis, en tout cas je vais vraiment vous parler vraiment de ça, sujet très important pour moi, je trouve la préparation, quand je fais des missions, etc., que je vais rejoindre une quête de quelqu'un ou quelque chose comme ça, je me prépare toujours en conséquence de ce que je vais affronter, toujours. Alors des fois c'est un peu chiant, effectivement, faut que j'aille dans le coffre, alors on va affronter quoi? Ok, donc ça, ce monstre-là il fait ça, je vais me préparer en conséquence, donc les joyaux, où est-ce qu'ils sont? Vous avez vu en stream des fois je cherche les joyaux, joyaux anti-explosion, où est-ce qu'il est? C'est un peu chiant de changer les joyaux tout le temps, donc des fois il y a des gens qui doivent se dire, bon bah ça saoule. Il y a le Valazak que je veux. On va affronter un Valazak. Bon bah je mort vivant, allez hop, j'ai pas envie de m'embêter à refaire mes joyaux, à mettre un joyau purification x3 dessus pour être immunisé au miasme. Il y va, il se prend le statut mort vivant, il a plus que 20 points de vie ou je sais pas combien, c'est un debuff terrible là normalement. Et du coup il se prend un coup de queue et là du coup au lieu de perdre je sais pas 30 points de vie sur ses 200 points de vie, bah du coup il est mort en un coup parce qu'il a pas de vie. Et ça peut vraiment ruiner une partie quoi. La Lunastra, quand j'y vais sur Lunastra en solo, de toute façon j'irai la tuer au katana dans une des prochaines vidéos. Hein. Lunastra au katana, pas la gun lance, parce que la Lunastra elle fait des dégâts de feu autour d'elle, la gun lance elle est trop lente à ranger, c'est très compliqué. Moi personnellement je n'aime pas trop, mais après vous pouvez gérer comme vous voulez. Je mets le katana sur elle. Et donc avec une résistance au feu de 50, bah, les dégâts sont réduits mais d'une manière immense, hein, ça c'est vraiment très impressionnant. Et c'est vraiment un peu partout pareil, hein, donc... Monster Hunter, la clé de ces jeux-là, pour ça que j'aime beaucoup ces jeux-là, c'est que quand tu vas tuer un monstre, tu récupères des composants. Avec les composants, tu vas crafter des armures qui résistent à certains éléments, genre lui va résister au feu, anti-explosion, etc. Et bah, quand t'as pas tous les joyaux, au début, moi je n'avais pas tous les joyaux, bah, du coup je faisais des petits mix un petit peu bizarres. Hein, mais ça me permettait, bon, je prenais cette pièce-là, hop, j'étais immunisé au miasme. Et ben voilà, on perd un peu de défense, mais on gagne quand même beaucoup dans les talents. Dans les commentaires, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Hein, si vous aussi la préparation c'est très important pour vous, je pense que oui. Tout chasseur qui se respecte met un temps fou, je pense, à faire des petits mix qui leur plaît. Et en plus, ça qui est très important, c'est qu'il faut vraiment. Il n'y a pas de mix ou de set miracle, hein, comme je vous dis toujours, ou d'armes miracle non plus pour affronter tel monstre. Il faut vraiment utiliser les talents qui vous correspondent à vous, ou de votre manière de jouer, et l'arme qui avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi, l'arme avec laquelle je suis le plus à l'aise, c'est comme le katana, et juste en dessous, c'est la gun lance. C'est les deux armes vraiment où je suis très à l'aise. Quand je prends mon katana, je me sens très très bien. Je sais faire de bonnes esquives, etc., etc. Prochaine vidéo, on parlera des raccourcis sur les talents, donc les potions, comment faire des bombes aveuglantes, les talents du petit chat, etc. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à savoir, puis aussi un truc très important aussi qu'il faudra que je dise dans la prochaine vidéo, et vous allez voir, ça va être pas mal du tout. Je vous invite à vous abonner comme toujours pour les prochaines vidéos, laissez un maximum de pouces bleus, puis dans les commentaires, allez-y, hein, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite chasse au Théostral Face Suprême, ça fait plaisir, vu qu'on n'a pas de contenu nouveau, du coup, on va profiter comme de ce festival d'hiver pour, on va dire, refaire tout ce qu'on a fait une deuxième fois, ça sera sympa. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, ciao ciao les amis.